مرة أخرى لفتح نقاش حول موضوع هام وحيوي وهو يتعلق بالحوار بين ضفتي المتوسط الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط. منتدى جريدة شعب طبعا بمبادرة من السيدة ياسمين عطايا رئيسة الشبكة الجزائرية للحوار شمال جنوب، نشكرها على هذا المقترح وهذا التعاون، كما أشكركم جميعا في هذه الذكرى التي نحيي من خلالها الذكرى 11 لإعلان الجزائر حول الحوار شمال جنوب، والتي تعتبر حقيقة قاعدة لهذا الحوار بين ضفتي المتوسط، وتثبت في الوقت ذاته التزام الجزائر بهذا المسار وتجندها من أجل تعزيز هذا الحوار بين ضفتي المتوسط. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à son excellence, Monsieur Ferdinand Notombe, le ministre d'État belge et le président de la Fondation du Dialogue Nord-Sud. C'est un honneur d'être parmi nous, Fondation. Merci d'être parmi les nôtres. Donc, ce forum qui se tient aujourd'hui est à l'occasion du 11e anniversaire de la déclaration d'Alger sur le dialogue Nord-Sud qui a tenu ici sous le haut patronage de son excellence le président de la République en 2006. Donc, pour fêter cet événement très important et qui confirme également l'engagement de l'Algérie à ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée pour résoudre les multiples problèmes qui se posent aux deux rives de la Méditerranée. L'un au délai alaykoum, il y a le mot Bachar Atan de Houdoud, Thalaf Dakaïk et Asid Chenna Ahmed, li taqdim kalima fi hadha al-mawdu', thumma nuqaddimu al-kalima li sayyida Yasmin Ataya, thumma nu'idu al-kalima ila ma'ali al-wazir li taqdim mudakhala fi hudud rub' sa'a. Tafaddal ya Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احتفالا بيوم الحوار ودعما لجهود السيدة الفاضلة ياسمين عطايا ودعما لجهود هذه المؤسسة التي تهدف إلى التقريب بين وجهات النظر بين الضفتي المتوسط، أكاديمية المجتمع المدني الجزائري وبالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للحوار جنوب شمال المتوسط، نقوم بتنظيم ومرافقة هذا النشاط الهام جدا. والترحيب والشكر أولا للسيدة أمينة دباش على هذا الاستضافة الراقية لمنتدى الشعب العريق. أشكركم جزيل الشكر، وليس لدي يعني كلمة Je salue l'ensemble de la presse qui a répondu présente à cet événement d'une importance certaine. Aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire de la déclaration d'Alger. En 2006, nous avons tenu un congrès, le premier congrès du dialogue, au début appelé Nord-Sud. Et c'est Monsieur le ministre d'État, Monsieur Charles Ferdinand Notan, qui a été à l'initiative d'aller dialoguer avec le sud de la Méditerranée. Et ça, c'était déjà en 2005, où nous nous sommes rencontrés à Malte, avec tout le mouvement de la société civile des deux pourtours de la Méditerranée. L'Algérie a été choisie pour abriter ce premier congrès, qui a été un congrès fondateur, avec sa déclaration d'Alger. Depuis, nous continuons le dialogue. Et ça, c'est grâce à la volonté de ceux qui sont au nord, mais de ceux qui sont au sud aussi. Nous sommes demandeurs de dialogue. Nous voulons
nous connaître les uns les autres. Nous voulons mener des actions communes pour la paix, pour la stabilité et pour le développement de notre région. Le temps nous a donné raison. Nous avions commencé à dialoguer en 2006. La région ne connaissait pas les soubresauts, les drames qu'elle a connus. Nous avions, à cette époque-là, abordé 9 thématiques. 9 thématiques dans les flux migratoires. Nous avions parlé, nous avions dédié un atelier à cette époque-là aux flux migratoires. Nous avons aussi parlé de la jeunesse, de l'information. Vous, les journalistes, ça vous intéresse. De l'information, de l'appropriation, de la participation, de l'éducation, de l'économie. Et nous avions avec nous, en parlant de l'économie, le directeur général de la Banque européenne d'investissement s'était déplacé. Monsieur de Fontaine-Vive était parmi nous à Alger en 2006. Nous avons eu d'éminentes personnalités qui se sont déplacées, qui ont découvert l'Algérie, et nous nous sommes entendus pour que le dialogue ne soit pas une action ponctuelle qui s'arrête au congrès d'Alger, mais que nous devions continuer à nous parler. Et nous avons continué à nous parler. Tous les 3 ans, nous avons organisé un congrès. Nous avons été à Alicante en 2009, en 2012 nous avons été en Tunisie, corrigez-moi monsieur le ministre, et en 2015 nous avons été à Milan. En 2018, nous irons aussi quelque part. En 2012, ça fait trois ans, ça fait long pour nous rencontrer. En 2012, au congrès de Tunis, le comité algérien, le réseau algérien, avait fait la proposition d'instituer une journée du dialogue. Et nous avions proposé la journée de la déclaration d'Alger. Pas parce que nous sommes des chauvins. Non. Parce que c'est une vérité. Le 26 février est une date anniversaire importante puisqu'elle est celle de la déclaration d'Alger. La déclaration d'Alger qui a été le document fondateur de la dynamique du dialogue. Je ne voudrais pas monopoliser la parole puisque vous aurez des questions à poser à son excellence. Donc voilà. Ce que je vous dis, la société civile est engagée. J'ai oublié de vous dire que c'est un élément très important. Le président Bouteflika, en 2005, parce qu'on avait fait la demande en 2005, et le congrès s'est tenu les 24, 25 et 26 février 2005, il nous avait donné son haut patronage. Et je rappelle qu'à cette époque-là, la région était tranquille. La région était tranquille. Donc c'est pour vous dire la vision que nous avons eue tous d'aller dialoguer. Et c'est par le dialogue qu'on arrive à retrouver la paix. Je vous remercie. بكم وكذا الإخوة الزملاء من الأسر الإعلامية الذين نشكرهم في كل مرة على موافقتهم للمجتمع المدني موافقتهم المستمرة للشفافية في المجتمع المدني على موافقتهم المستمرة للندوات والنقاشات التي يفتتحها منتدى الشعب. لن أطيل عليكم وأحيل الكلمة مباشرة إلى معالي وزير الدولة السيد تشارل فيردينو نوكوند. Je vous cède la parole, monsieur. J'ai demandé à monsieur le modérateur de m'arrêter après 15 minutes. Soyez ferme. Bien, je veux présenter dans les motivations politiques et aussi dans la présentation de l'avenir, ce qu'on essaye de faire depuis 11 ans, depuis en fait plus que 11 ans, puisqu'on a commencé avant. Je pense que ce n'est pas utile de redire ce que du point de vue européen, il se passait dans les têtes en 2004-2005. 2004, c'est la date de l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, d'un long débat dans les relations Est-Ouest,
d'abord dans la guerre froide, puis dans la concertation, puis dans la chute du mur de Berlin, puis on a dit qu'on fait entrer 10 pays de l'Est en un coup dans l'Union européenne. C'était un changement de concept. Et à ce moment-là, nous étions, j'étais le vice-président du mouvement européen international qui avait poussé à l'intégration européenne, toujours en défendant les idées de l'intégration, de la collaboration vis-à-vis des égoïsmes nationaux ou des intérêts nationaux exprimés par les gouvernements. Et on s'est dit, mais maintenant, c'est un cycle qui se termine, quelle est la chose qui conditionne l'avenir? Eh bien, la chose qui conditionne l'avenir, c'est la manière dont l'Union européenne, ainsi gonflée, va se comporter avec le reste du monde, et d'abord avec ses plus proches voisins qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et nous avons choisi alors une démarche qui est assez simple et qui se traduit dans la déclaration d'Alger. Primo, nous n'allons pas commencer un dialogue en disant ce que nous pensons et en disant aux autres, ne voulez-vous pas penser la même chose, ce que beaucoup d'Européens faisaient. Et nous avons dit, on ferait une déclaration quand on aura un accord entre le Sud et le Nord, après une réflexion commune sur la même chose. Première idée. Deuxième idée, nous parlons seulement avec les pays d'Afrique du Nord qui sont en paix entre eux et qui sont stables, car il n'y a pas de guerre civile, parce que nous devons avoir le temps de parler des problèmes de fond avec des gouvernements et des sociétés civiles qui évoluent elles-mêmes à leur propre rythme. Donc nous avons dit, nous cherchons à éviter les problèmes d'actualité. Sans calme, nous serions un forum de plus sur l'actualité, mais alors ce n'est pas la société civile toute seule qui peut le faire. Ça se fait avec des gouvernements, des diplomates, des militaires, et des universités. Et donc, le long terme, éviter les problèmes d'actualité, se limiter à l'Afrique du Nord, sachant que nous appartenons à la fois à des proximités, la Méditerranée, et à des mondes différents qui, si on prend les dimensions culturelles au sens large, représentent plus d'un milliard d'habitants de la planète partageant des grandes idées culturelles. Et donc, l'égalité, le Sud, le long terme, éviter l'actualité et penser l'avenir dans l'intérêt des uns des autres. La déclaration d'Alger, alors on a fait à Alger, comment avons-nous fait? Eh bien, en 2004, très exactement, à la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait eu un forum de la réforme arabe, où, composé uniquement d'intellectuels des pays arabes, s'étaient réunis en disant, mais faisons une perspective de l'avenir. Il y a une déclaration d'Alexandrie, qui se figure dans un petit document comme celui-ci, et qui donne toutes sortes d'idées générales. Nous avons dit, les idées du mouvement européen, c'est la même chose si on les résume dans une brochure. Mettons ensemble et voyons si nous pouvons avoir une vision commune du futur. Donc, pour moi, c'est très important, comme une vision commune du futur. Je vais faire une petite interruption personnelle. Je suis ministre d'État, vous êtes très gentil de me rappeler, de m'appeler excellent. Un ministre d'État en Belgique, ce n'est pas un membre du gouvernement, c'est un ancien membre du gouvernement. Et quelques-uns, il y a beaucoup d'anciens membres du gouvernement, quelques-uns parmi les anciens membres du gouvernement portent le titre ministre d'État qu'on tient toute sa vie. Alors je me suis dit, tiens, j'ai cette responsabilité morale, elle n'est que morale, à quoi vais-je consacrer ma vie après ma vie politique nationale? Et je me suis dit, il n'y a rien de plus important que la compréhension entre les deux moitiés de l'humanité, en commençant par les plus proches. Donc pour moi, c'est une vocation. Pour les 50 ans à venir, je ne verrai pas la fin des 50 ans, mais je donne toute ma force pour que la génération soit dans de bonnes conditions pour le faire. Et l'avenir nous a donné raison, puisque nous sommes ici pour fêter un 11e anniversaire d'une initiative qui aurait pu être sans lendemain, mais qui se révèle toujours plus nécessaire, étant donné que tous les problèmes ne sont pas encore résolus. Bien. Donc nous avons fait une déclaration d'Alger, on a essayé de couvrir l'ensemble du spectre des préoccupations vis-à-vis de l'avenir. Et puis, comme ça avait très très bien réussi, merci à Mme Taïa qui a organisé ça, à base organisation SEVE, savoir et vouloir entreprendre. En réalité, nous avions fait une démarche préalable à Malte en 2004 pour rencontrer la société civile du Sud-Méditerranée avec qui on voulait causer. Et
Certainement, la Ligue arabe a dit que c'était une bonne idée, qu'ils étaient prêts à nous aider. L'ISESCO nous a dit que c'était une bonne idée, qu'ils voulaient nous aider. Mais nous avons dit, oui, mais vous êtes des organismes gouvernementaux, nous on veut parler avec la société civile. Et il y avait là la bibliothèque d'Alexandrie, qui a un statut indépendant vis-à-vis du gouvernement égyptien, et l'Union des femmes arabes chez les entreprises, dont la déléguée a dit, mais venez à Alger. C'est comme ça que nous sommes venus à Alger. En 2006. Donc, une initiative, ensuite plusieurs initiatives qui venaient du sud de la Méditerranée et le mouvement européen. Le mouvement européen avait cet avantage d'être pluraliste. Il avait 60 ans d'existence, il était né en 48 pour réunir français et allemand et jeter les bases de l'Union européenne. Nous nous trouvions dans notre culture générale en disant maintenant, c'est plus le Rhin qu'il faut franchir, il faut franchir la Méditerranée pour aller se comprendre de l'autre côté. Et donc nous sommes venus ici et nous avons été très heureux d'avoir surpris et heureux d'obtenir le patronage du président de la République à ce moment-là, ce qui nous donnait quand même un label plus que d'une association rencontrant une autre association. Et nous l'avons fait, nous avons eu une participation algérienne remarquable qui a impressionné les Européens qui étaient venus. Je peux vous dire qu'avant de venir, plusieurs fois on m'a téléphoné en disant « Mais êtes-vous bien sûr qu'on peut aller en Algérie, c'est pas dangereux ?» Ils avaient ça dans la tête, les gens intelligents. Regardez la réalité et pas vos fantasmes, si je puis ainsi. Et donc tout le monde était très heureux et ça a créé un climat favorable qui dure toujours. Donc nous avons fait une déclaration d'Alger et puis nous avons dit mais ça marche tellement bien qu'on va continuer. Et donc on a dit on va prendre un chapitre qui était deux chapitres en fait, éducation et migration, c'est déjà le thème. Nous allons le faire ailleurs, sur la face nord Méditerranée. Nous avons été invités par le mouvement européen espagnol et celui de la province de Valence et d'Alicante. Et nous avons fait un deuxième congrès. C'est à ce moment-là qu'on a dit, maintenant qu'on part vers le nord, ce n'est plus un dialogue nord-sud, comme on fait toujours les dialogues nord-sud, ça devient un dialogue sud-nord, et c'est pour la postérité. J'ajoute que le mouvement européen avait cet intérêt qu'il était soutenu par les trois grandes familles politiques, les trois grandes familles politiques européennes. De telle manière que quand j'allais expliquer au gouvernement qui pouvait être inquiet de notre initiative, parce que c'est encore un boulot, encore des gens qui se mêlent de nos affaires, je disais, écoutez, en Europe, comme on a les trois familles politiques, on est partout dans la majorité et partout dans l'opposition. Donc on a toujours des gens... Donc nous cherchons à rester à bonne distance du respect du gouvernement et de la diversité des opinions. Ça a aussi facilité au départ le bon accueil qu'on nous a fait. Et voilà. Et puis nous avons fait l'éducation et la formation. Et puis nous avons fait un troisième congrès qui est tombé vraiment très bien, qui était un peu doctrinal aussi, comme celui d'Alger, qui était les rapports entre la société civile et les gouvernements. Ça tombait au moment de la révolution en Tunisie. C'était à Tunis en 2012. Et donc nous avons, c'était encore en pleine tension, encore un gouvernement d'une certaine majorité. Le Premier ministre, qui était issu de cette majorité, est venu ouvrir ou fermer notre colloque. Par contre, on avait été lui expliquer ce qu'on voulait faire. Il trouvait que c'était une bonne idée. Et le président de l'Assemblée constituante trouvait aussi que c'était une bonne idée. Et donc nous avons vu parler dans un climat merveilleux et faire une déclaration dont je suis assez fier en disant. La société civile doit être respectée par les gouvernements, mais elle doit respecter les gouvernements, il faut que le dialogue s'établisse, sinon on perd son temps à se méfier les uns des autres. Et donc c'est ça qui détermine l'état d'esprit. Nous avons fait un quatrième congrès à Milan, à la demande de nos amis égyptiens, qui nous ont dit, écoutez, il y a quand même dans l'évolution des sociétés un problème, on fait des révolutions dans les villes, on fait évoluer les idées avec des intellectuels et des jeunes. Pendant ce temps-là, la masse de la population est encore dans les campagnes, n'évolue pas, et on ne s'occupe pas assez d'elle, on s'occupe toujours des grandes villes. Il faut s'occuper, et donc le thème de la quatrième à Milan, c'est les communautés rurales, ne plus les oublier. Donc, c'est une chose qu'on avait fait en Europe aussi, pour lutter contre l'abandon des communautés rurales par la puissance des villes et la volonté des gouvernements de bouffer leur capital. Ça a été bien reçu et nous avons trouvé de nombreux points communs,
d'idées générales, par exemple la nécessité de répartir les crédits budgétaires de manière équitable entre les villes et les campagnes, ce n'est pas évident. Deuxièmement, ce qu'il fallait dans les provinces les plus reculées, une autorité décentralisée, qu'elle soit concentrée, centralisée, qui puisse exprimer la volonté de développement et adapter les lois nationales aux problèmes régionaux, ce n'est pas toujours si fait dans les différents pays. Et ça a été bien reçu parce que ça a été exprimé de manière équilibrée, pas en invectivant les uns ou les autres. Et nous avons été donc assez bien reçus avec cela. Et donc, maintenant, et je sais bien que je parle depuis 12 minutes, et maintenant, nous sommes en train de préparer, c'est une des raisons de ma présence ici, outre le 11e anniversaire, de préparer un congrès de 2018 qui va s'étendre à la société tout entière, c'est du développement rural au développement territorial pour envisager la globalité de la société, et donc pour faire le tournant, on regarde vers les villes qui traitent actuellement un problème de mouvement de population ou de migration interne et externe et qui sont face à des tas de problèmes, qui trouvent des tas de solutions et que nous trouvons que c'est un bon dialogue si les responsables de grandes villes du Nord et de grandes villes du Sud, de petites villes du Sud, de petites villes du Nord viennent expliquer comment ils abordent ce problème, comment ils trouvent des solutions. Je pense que ce sera utile pour tout le monde, parce qu'on croit chacun que son problème n'est pas soi tout seul et que les différences culturelles, géographiques, de langue, d'enseignement, de santé publique, d'administration pure et simple sont uniques, mais il y a beaucoup de solutions. Rien qu'en parlant un peu tout à l'heure avec M. le ministre Misael, il a expliqué un peu ce que s'est passé en Algérie. C'était instructif, j'avais envie d'entendre. De le faire entendre ce qu'il disait à Bruxelles, parce que on ne sait pas que ce raisonnement est fait dans le contexte historique algérien, culturel algérien, et qu'il y a de tellement bonnes idées bien équilibrées dans l'esprit du dialogue, de la pacification et l'ouverture à la société civile. Tout ça doit être répercuté de l'autre côté, parce que sinon chacun se fait de son rivage et pas du rivage de l'autre, et ça parle que c'est pas que l'autre. Voilà, et donc j'ai demandé qu'il nous conseille pour inviter, si possible, la responsable politique ou administrative de l'agglomération d'Alger et d'une petite ville algérienne qui aurait connu des problèmes spéciaux ou des expériences spéciales pour venir nous expliquer ce qu'on peut faire. Et Mme Taïa a dit mais nous pourrions après cela faire une autre journée régionale en Algérie pour creuser ces problèmes, mais pas en rapide dialogue, mais dans un dialogue qui peut durer deux jours. Et j'ai dit, moi j'aimerais bien faire entendre à des Européens le discours que j'ai entendu ce matin du ministre Messel, qui d'ailleurs était venu à notre congrès à Alicante. Donc le dialogue produit des prolongations et des répercussions, et créer la confiance, on peut se dire des choses, on n'est pas en train de chercher des arguments pour dire du mal, que du contraire, on cherche à diffuser les bonnes idées. Il est 32, j'ai commencé à 10, Madame Taïa a fini à 17. Monsieur le modérateur, merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous, de son poste, ministre d'État, occupé respectivement au sein du gouvernement belge et poursuivant ministre des Affaires étrangères. Il a occupé également le poste de ministre de l'Intérieur et président du Parlement. Donc je vous remercie encore une fois. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, monsieur Le Pompe. نعمل به في منتدى جيد الشعب وفيما يخص التدخل والمشاركة في النقاش، وعلى كل متدخل فقط أن يعرف بنفسه والمؤسسة التي يمثلها إذا كان أمكن، وكذلك كرجاء بأن تكون الأسئلة مباشرة ودقيقة حتى نسمح للجميع بأخذ الكلمة وطرح الأسئلة وتوسيع النقاش إلى أكبر قدر ممكن. شكرا. Merci Madame Taïa, présidente du réseau Algérie. Concernant les flux migratoires, je dirais un seul mot.
et je me tairai. Ce sont les flux armés qui ont engendré les flux migratoires. Je ferme la parenthèse. Pour ce qui est du dialogue, nous y adhérons. Nous sommes un peuple qui croit en le dialogue. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés peuvent être atténués par le dialogue. Et j'irai même plus loin. Beaucoup de foyers armés peuvent être éteints par le dialogue. Et ça, on en parle en connaissance de cause. Que ça soit la société civile ou que ça soit la sphère politique. Et à sa tête, le président de la République qui a toujours été un homme de dialogue. Si bien que on était au bord, pour ne pas dire une véritable guerre civile, elle a été éteinte grâce au dialogue. Nous étions isolés, mais nous sommes restés debout. On s'en est sortis et on est devenu un exemple. Et notre dialogue est devenu un mode d'emploi pour aplanir pas mal de crises, que ce soit au Sahel, que ce soit en Libye, en Syrie ou ailleurs. Et beaucoup de gens nous ont dit et nous demandent comment vous vous êtes pris concernant cette mouvance terroriste. Et on est aussi devenus des experts en matière de lutte antiterroriste. Et c'est pour ça que faut pas minimiser l'action de la société civile. La société civile peut être, si ses membres et adhérents sont dynamiques, peut être une force de proposition au plan, non seulement local, mais également au plan régional et international. Et c'est dans ce sens que l'idée du réseau Sud-Nord, personnellement, me plaît énormément. Et j'y adhère. J'y adhère. Pourquoi ? Parce que nous avons cette essence en nous de dialoguer, de se concerter. Nous sommes contre l'instauration de murs, comme c'est le cas en Palestine, comme c'est le cas au Sahara occidental, et peut-être c'est un mur moral que veut ériger le président américain par rapport aux Mexicains. Ils ont oublié pourquoi il y a ce flux migratoire. Et je ne vais pas faire et refaire toute l'histoire pour dire tout simplement, s'ils ne sont pas partis chez eux, ils ne seront pas... depuis l'ère des Boers jusqu'à présent, donc ce n'est que le retour de l'histoire. Voilà, merci. Excellence, vous avez vraiment marqué le point pour dire qu'il faut traverser la Méditerranée pour dialoguer. Ce qu'on voit, et vous venez de Bruxelles, qui dit Bruxelles, dit l'OTAN, dit Barcelone, et on voit qu'ils sont en échec, en panne en ce moment. Il ne reste chez nous en Méditerranée que les 5 plus 5. Donc, quand vous avez parlé maintenant de l'anniversaire du 11e du dialogue qui a été initié avant par Brandt et que vous avez eu l'initiative de le mener jusqu'à 11 anniversaires. Et maintenant, c'est la déclaration d'Alger. Je viens pour les... Je dis que, comme en ce moment, moi, j'ai compté 8 initiatives du nord au sud, mais ils sont en échec. Sauf, comme j'ai dit, le 5 plus 5 qui travaille. Et officiellement, ce n'est pas les initiatives de la société civile. Pourquoi ne pas se baser sur la déclaration d'Alger et projeter un nouveau travail ou une étude prospective pour mener à bien la CCE, la CCIM? Parce que, en fait, si on prend l'exemple de la conférence de l'Europe sur la sécurité
et la coopération en Europe qui a réussi et qui est une grande organisation qui travaille, on a eu un projet de président Bouteflika sur comment initier une conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée. Donc il n'est-il pas temps que cette déclaration sera le premier pas et le jalon pour cette conférence sur la sécurité en Méditerranée, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes, l'immigration clandestine, les réfugiés, et en ce moment, on se prépare à des réfugiés d'environnement. Les derniers travaux du Pentagone et tout sur le changement climatique disent que le Maghreb va recevoir en 2027 les gens qui viennent du nord au sud. Donc, pourquoi ne pas se préparer dans des conférences et se donner, nous avons la jeunesse et vous avez le transfert de technologie qu'on veut. Merci. Au revoir, monsieur Nourtan, puisque nous avons de très bons souvenirs, nous faisons partie et membres du dialogue sud-nord méditerranéen depuis 2006, avec bien sûr notre grande dame, que nous remercions et que nous félicitons, parce que c'est une dame courageuse, Madame Taïa, et qui a réussi, qui a rassemblé, quand je dis la société civile, c'est très important, mais je ne manquerai pas aussi de rendre hommage à notre président de la République, qui nous a accordé l'égide de ce démarrage, qui est très important quand on parle de dialogue, on parle de paix, c'est très important. Et bien sûr, les rencontres qui se sont faites majoritaires, en présence aussi, comme vous l'avez cité, du ministre, M. Msahen, que nous n'avons pas oublié, nous avons gardé un bon souvenir parce que c'était à Alicante. On avait dans l'avion le match l'Égypte et l'Algérie, inoubliable. Alors donc, moi j'aimerais poser la question à M. Nourtan concernant ce qui va se faire, Inch'Allah, en 2018, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez déjà, c'est-à-dire, il y a une idée de savoir où ça va se faire? Merci. Clôturer, évidemment, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas représentant d'organisation de la société civile, organisation non gouvernementale, journaliste ou autre acteur ou activiste des droits humains ou des questions de migration. Je suis un diplomate belge. Je suis ici à Alger. Je représente la délégation Wallonie-Bruxelles. Je suis le délégué Wallonie-Bruxelles, donc je représente les gouvernements de Wallonie et de la fédération Wallonie-Bruxelles ici en Algérie. Vous savez que la Belgique est un État fédéral, avec un gouvernement fédéral, mais aussi des entités fédérées qui sont gérées par des gouvernements, et aussi avec des législatures que sont des parlements afférents à ces entités. Il y a une répartition de compétences. L'État fédéral est représenté ici à Alger par l'ambassade de Belgique. Et pour ce qui concerne la mission de la délégation Wallonie-Bruxelles, nous assurons une représentation des gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi plus largement l'ensemble des compétences de ces entités, avec un certain nombre de priorités. Et nous sommes aujourd'hui dans un dialogue avec le gouvernement algérien et avec le ministère des Affaires étrangères, aussi des ministères sectoriels, concernant l'établissement de priorités dans une nouvelle programmation en voie d'élaboration, programmation de coopération sur les 2-3 années à venir. Alors, nous sommes sur des priorités sectorielles que nous sommes en train de développer, d'examiner. L'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, le développement durable. Ce sont les priorités qui ont été convenues mais qui restent encore à valider. Sans omettre également d'autres sujets qui ont leur importance. Songeons notamment à la culture. L'interculturalité, extrêmement importante, puisque très difficile d'avoir un dialogue sans qu'il y ait une démarche de compréhension culturelle entre les peuples, entre les acteurs de ces peuples, sur les questions prioritaires qui sont évoquées, les droits humains, l'immigration, etc. La question donc de la mobilisation des organisations de la société civile. Nous sommes entre démocratie, ça explique notre présence ici. Et on sait qu'une démocratie vivante n'est pas fondée s'il n'y a pas les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Et on sait qu'il n'y a pas nécessairement de situation stabilisée, acquise pour l'éternité. On le voit aujourd'hui
en Europe, au sein de l'Union européenne, avec un certain nombre de dérives constatées à l'échelle d'un certain nombre d'États membres. On le voit également outre-Atlantique. On a parlé, Madame de Bâche, que je salue également, ainsi que Madame Taïa, l'a évoqué. Donc, on sait qu'il y a des situations critiques et que donc l'état de droit nécessite en tout cas une vigilance de chaque instant. Et vous, en tant qu'organisation de la société civile, vous avez certainement un rôle éminent à jouer pour veiller à ce que le droit soit respecté, que la démocratie soit respectée. Alors nous, en tant que mission diplomatique, notre rôle aussi est de pouvoir soutenir les initiatives émanant d'organisation de la société civile. Certainement pas à coût de millions d'euros, puisque ce n'est pas dans nos moyens, mais en tout cas, là où il y a une initiative qui prend forme, qui prend sens au regard de nos valeurs, au regard des principes de l'état de droit, des libertés fondamentales, des valeurs universelles, nous pensons pouvoir jouer aussi un modeste rôle, un rôle de mise en relation, un rôle de passeur, un rôle de facilitation. Et donc nous sommes très attentifs à l'initiative qui a lieu ici, qui vient s'inscrire dans le cadre de la première conférence d'Alger, qui a donné lieu à la déclaration d'Alger, comme ça a été rappelé par Mme Taïa ici à l'instant. Il y a le rendez-vous attendu dans 2 mois à Bruxelles, puis il y a le congrès de 2018 qui a été évoqué par les ministres d'État. Donc nous sommes attentifs, et je suis ici pour ça aussi, pour en tout cas faire rapport aussi à mes autorités de la discussion, de l'échange aujourd'hui avec la presse algérienne, et aussi pour être aux côtés, aux besoins, des initiateurs, des porteurs de ces dialogues, pour voir aussi comment on peut travailler ensemble pour nouer les fils d'un dialogue qui peuvent aussi déboucher sur un certain nombre d'actions concrètes menées par des entités publiques, qu'il s'agisse de gouvernement, qu'il s'agisse de communes, qu'il s'agisse d'écoles, d'universités. Je pense que chaque acteur est interpellé par les questions de migration. Ce sont des questions transversales qui touchent toutes nos sociétés. On le voit bien ici en Algérie, on le voit également au sein de l'Union européenne, et en Belgique, c'est très clairement le cas aussi. On est dans un contexte difficile, ça a été rappelé par le ministre d'État. Il n'y a pas donc de continuité nécessairement alignée sur le progrès. On avait jusqu'à un certain temps, l'Union européenne, une certaine idée positiviste, que chaque jour amenait son progrès. Mais on voit très bien, et surtout depuis la crise de 2007-2008, il n'est pas fini. C'est une crise économique profonde, une crise financière, et donc une crise sociale, et donc une crise politique. On le voit bien, on est dans des situations difficiles, et donc il est très important, effectivement, que les acteurs de la société civile puissent jouer leur rôle et faire leur appel aussi auprès des autorités publiques sur l'importance de pouvoir travailler autour de valeurs fondées sur le dialogue, fondées sur la compréhension, fondées sur l'idée de l'état de droit. Donc nous sommes également à votre disposition pour pouvoir travailler ensemble et voir comment, en tout cas, poursuivre les idées le mieux possible. Merci à vous. C'est Nidaz Bundallah. Je suis ici au côté d'un chat. Ma question est simple. Où se situe cette initiative vis-à-vis d'autres initiatives proclamées par le chef d'État, comme par exemple l'Union pour la Méditerranée? Y a-t-il une différence quelque part? Y a-t-il une différence dans l'objectif qui vont nous faire? Merci. Je repose à une question, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer la déclaration d'Alger en 2006 comme une plateforme solide de dialogue entre les deux rives, sud et nord? Pour nous totalement, c'est ce que la pédagogie que nous avons dans la brochure que vous pouvez prendre sur le 10e anniversaire, nous avons refait venir un professeur français de l'université de Gand qui nous a expliqué comment on était arrivé au consensus. Et c'est vraiment, moi j'étais président de parti dans le temps, je sais comment on part de 25 idées pour chercher d'en arriver à une ou deux. Et bien il explique scientifiquement comment on a fait des comités, des sous-comités, des rassemblements. Il y a une pédagogie là-dedans. On ne dit pas, on ne fait pas une déclaration et puis on demande à tout le monde, êtes-vous d'accord? Ça ne marche pas. On construit tout doucement. Et donc, c'était la vertu de la déclaration d'Alger. Elle n'a rien de mirifique, sinon qu'elle est concertée et qu'elle est synthétique. Il y a des
coopération, il faut que là, le plan 500 pages, qu'on n'aboutisse pas. Et il faut avoir un socle commun pour discuter chaque problème particulier. On peut partir dans les villes avec les mêmes idées et on a une base à quoi se référer. C'est pas une Bible, ce n'est pas un Coran, ce n'est pas. C'est une petite déclaration sur. C'est une démarche d'État à État. Nous voulons instituer sur des thématiques précises le débat. Je pense que nous avons réussi. Nous avons réussi puisque notre dialogue dure depuis 11 ans. Et je peux vous assurer, Monsieur Nautan l'a dit tout à l'heure, le processus de Barcelone a été un échec. Ce n'est un secret pour personne. Donc, nous pouvons nous enorgueillir, même si nous restons très modestes, d'avoir mis en place une dynamique sud-nord, puisque l'appellation, je voudrais que la presse appuie sur ça. Le premier dialogue s'appelait dialogue nord-sud. Et je remercie M. Nautan, qui a été très sensible à notre doléance de changer la thématique, dans un souci de participation et d'appropriation. Nous avons dit, M. Nautan l'a dit dans son importante intervention, le Nord est toujours de Nord, donneur de leçons. Nous nous sommes dit, nous, les gens du Sud, nous voulons participer au processus de dialogue. Nous voulons nous approprier, parce que nous sommes une population qui est dans un espace géographique dont le destin est commun, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, le monde est en train de connaître des mutations et je voudrais faire une petite percée sur les flux migratoires. Il ne faut pas toujours les voir comme un aspect négatif. Le monde, l'humanité a connu par le passé des mouvements de personnes vers l'Amérique, vers je ne sais où, qui n'ont pas été négatifs. L'Amérique d'aujourd'hui s'est enrichie de ce métissage venu de l'immigration des années 10, 20, etc., si je me trompe. Donc les flux migratoires ne doivent pas nous accaparer l'esprit. Nous devons, au contraire, nous devons nous placer dans une dynamique de véritable dialogue, de meilleure compréhension, de mettre en place, vous savez, lorsque nous allons discuter de l'urbanisation des villes. Ce matin, nous avons été reçus par M. Messaël et nous avons eu un exposé, comme dit M. Nautan, qu'on aurait aimé enregistrer. C'était une vision très, très précise, très pointue, sur ce qu'est l'organisation d'un urbanisme, avec tous les impacts et toutes les conséquences sur les comportements, sur les résultats je le dis devant la presse, en filigrane, on a parlé de la radicalisation. Vous savez, en Europe, ceux qui se radicalisent, c'est les gens qui vivent dans les cités. Ce n'est un secret pour personne. Les gens qui se radicalisent, qui deviennent des torches humaines, des bombes humaines, c'est des gens qui ont subi la ségrégation, qui ont vécu isolés dans les cités, qui avaient des problèmes. Donc c'est ça, nous sommes une société civile, nous ne sommes pas les États. Nous voulons dire attention à les villes et nous voulons voir cette situation nouvelle, la comprendre, parce que notre réseau est très métissé. Nous avons des spécialistes venant de différents horizons et je voulais répondre au docteur de l'université que vous êtes les bienvenus au réseau Algérie. Le réseau Algérie, docteur, est ouvert à tout le potentiel algérien. Venez, réfléchissez avec nous, même la presse, vous avez votre rôle. Vous pouvez nous rejoindre et nous discuterons ensemble. J'avais proposé ce matin, sur cette thématique-là, d'organiser à Alger une rencontre régionale, et vous serez tous les bienvenus. Commencez à réfléchir.
J'ai été peut-être trop longue, je vous remercie. Donc lorsqu'on parle de la société civile, ça, c'est un autre niveau de dialogue. Mais quand même, il y a d'autres processus de dialogue. Monsieur Lattande, vous avez quelque chose à me dire Courtement à ce sujet, c'est à juste titre que vous pointez le nombreux échecs d'entreprises, de dialogue entre les gouvernements. Mais c'est plus difficile pour eux que pour nous. C'est facile de mettre d'accord sur des idées générales que de contracter avec des conséquences législatives et budgétaires, mais effectivement, l'initiative dite 5+5 en Méditerranée occidentale fait un raisonnement parallèle au nôtre en disant, si on veut un vrai dialogue, ne prenons pas les zones de conflit au centre de chacune de nos réunions. Et donc, la Méditerranée occidentale, où le dialogue sud-nord, c'est très proche. Simplement, on évite, pas par manque d'intérêt, pas par manque de sympathie, on évite les conflits du Moyen-Orient si on veut parler d'autre chose. C'est tout. Et donc, vous avez très bien pointé ça. Il y a Schengen, c'est-à-dire la liberté de circulation en Europe. Il y avait dans le Benelux, entre les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une union de Schengen. Schengen est le point entre le Benelux, l'Allemagne et la France. C'est le petit village qui est là. Et j'étais ministre de l'Intérieur, et un jour, je reçois une démarche diplomatique venue de Hollande, Pays-Bas, en disant, appuyé par le ministre des Affaires étrangères, en disant, oui, mais nous avons la libre circulation, mais vous, monsieur Nothomb, avec votre police insatisfaisante, vous n'empêchez pas tous les émigrés venant de France d'entrer dans le Benelux. C'est vous qui devez les arrêter, sinon ils arrivent chez nous. Alors, j'ai dit au gouvernement, écoutez, nous sommes en Belgique, on ne va pas mettre un mur entre la France et la Belgique. Les gens circulent, tâchons de les accueillir, de les contrôler et de voir ce qu'ils veulent, mais on ne va pas supprimer la liberté en Belgique parce qu'il y a des immigrés qui viennent de sortir. Il fallait 2000 gendarmes. Alors mon argument était très simple, j'ai dit au gouvernement, si vous voulez me donner 2 milliards de francs, dans mon budget, on peut recruter 2000 gendarmes, il y a toujours de l'usage. On ne va pas les mettre le long de la frontière, il n'y a pas moyen, on sera ridicule. Le gouvernement m'a suivi, peut-être parce qu'il ne voulait pas être ridicule, mais surtout parce qu'il ne voulait pas dépenser 2 milliards. Voilà. C'est pour dire que le coût de la vie est aussi élevé en Belgique. Quand vous devez payer 200 euros pour votre logement, vous serez très triste de gagner seulement 1500 euros pour votre salaire. Bon. Donc, tout ça doit être expliqué. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un accord d'un quota, d'un ensemble de possibilités qui pouvait dire aux gens, allez par la voie régulière, il y a un chemin. Si vous dites qu'il y a... Cette honorable assistance, je vous remercie de vos silences, monsieur Charles Ferdinand Nothomb, d'avoir été parmi nous et d'avoir participé à ce débat. Merci à madame Payan. شكرا لكم جميعا على الحضور والمشاركة في هذا Je vais vous dire.
Une date 26. 26. 2, 17. 17.